M2X. Tu connais M2X? M2X, alors, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, c'est grâce à notre télé. Non? Vous avez déjà vu? Ça va? Ça va. Maud, tu sais ce qu'il fait? Bien sûr. Tu sais ce qu'elle fait? Oui. Moi, j'ai envie de... En fait, on fait un reportage avec M2X aujourd'hui. Ouais. Et j'ai envie... Tu sais qu'un passage de M2X, ça fait des millions de vues. D'accord, ouais. C'est-à-dire que là... Il est populaire. Si, si. Mais je sais bien. Mais quasiment sans promo, lui. C'est là, vrai. Maintenant, toi, t'en as maintenant. Un petit et peu. Ça marche bien. Je suis... Honnêtement, alors je vais te dire ce que je pense. Ouais. Je t'ai vu dans les enchinques la première fois. Je t'ai vu en tant qu'agent anonyme. Ouais. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai vu tous tes débuts. Ouais. Et le jour où tu es sorti, je me suis dit, je veux voir Maud absolument. Non, mais je suis sérieux, hein. Tu me croiras pas, j'avais même dit à Alban l'année dernière quand j'avais vu sur les LTVA. Et maintenant, j'aimerais avoir une entrevue avec toi, avec lui. Lui, c'est fait, on va en faire plein de choses, mais je voudrais avoir une entrevue avec toi. Okay. Est-ce que c'est possible que tu nous parles de ton album? Et on va parler de plein de choses, parce que je te connais, j'ai l'impression de te connaître par cœur. Bah avec grand plaisir. C'est presque un fan qui te parle. Waouh. Mais avec plaisir, bien sûr. J'ai l'air de raconter du vent, mais c'est vrai. Lui, je l'ai découvert sur Internet. Et ce mec, je suis devenu... J'ai presque envie de dire que c'est mon petit frère, ce garçon-là. Donc du coup, il y a deux personnes que j'aime bien, là. Réellement, il y a deux personnes que j'aime bien, là. Et donc, je veux te voir, Maud, si c'est possible. Par ton biais, par le biais du manager, bien il faut sûr. Absolument qu'on fasse une interview. Bah avec plaisir. Ok. Avec moi, c'est Enzo. Ok. Et on est.